Le gouvernement chinois a donné les détails de sa politique de développement de la médecine traditionnelle chinoise, la MTC, dans le premier livre blanc sur le sujet. Le gouvernement discute de l'attractivité unique et du caractère moderne de ses remèdes chinois. Le livre blanc dit qu'en 2015, on comptait près de 4 000 hôpitaux pratiquant la MTC en Chine. Il y avait aussi plus de 42 000 cliniques et 452 000 praticiens et praticiens assistants dans le secteur. Le rapport dit que l'industrie a aidé à prévenir et à traiter de grandes épidémies, comme celle du SRAS, du VIH et du syndrome pied-main-bouche. Le livre blanc dit que la Chine a fait du développement des médicaments traditionnels chinois une stratégie nationale pour le pays. Le livre blanc dit que la Chine souhaite que chaque citoyen ait accès à des services de MTC de base d'ici 2020 et veut une couverture nationale complète d'ici 2030. La MTC a aussi pour vocation de s'étendre au monde. Elle est pratiquée dans 183 pays et régions du monde. Les chiffres de l'OMS montrent que 103 pays ont approuvé l'utilisation de l'acupuncture, tandis que 29 autres ont voté des lois spécifiques à la médecine traditionnelle chinoise.